lumière, il y a une personne invisible. Izana motomoko akomona na te. Invisible. Kasi tango nyoso ye azali. Il est parmi nous. Et azali katikati na biso. C'est de gloire. Izali kolo na kembo. C'est lui pour qui nous sommes réunis ici. Izali nde na ye biso to sangani awa. Kolo Yesu Kristo. Nous allons nous lever pour acclamer Jésus Christ. Tokote le mapona kobeta maboko na kolo Yesu Kristo. C'est lui pour qui aussi nous sommes venus. C'est lui qui a organisé cette grande fête. Le pasteur Roland Bokuta. Mokengeli Roland Bokuta. Très fort. Merci beaucoup. Nous allons vous présenter aussi le pasteur Francis Tinona. Mokengeli Francis Tinona. Pasteur de du Soleil Couchant Tabernacle à Pointe Noire. Mokengeli ya Soleil Couchant Mongombo ya Pointe Noire. C'est le principal de ces réunions. Oyo azali mo bien gami ya. Nous allons passer aux hommes de Dieu qui sont assis là. Prendre du temps, juste se lever et lever la main que l'Église acclame très fort. Amen. Je vais commencer par le pasteur Nganga Basile. Nous allons passer au frère, au pasteur Ngoma Odilon. Salam Tabernacle. Acclamez très fort pour lui. Roberto Maboko Makasi. Nous passons au pasteur Manangu Claver, Soleil Couchant Tabernacle. Amen. Très fort. Nous allons passer au pasteur Abel Batila, Parole Parlée Tabernacle. Nous allons passer au pasteur Pika Bristol, Parole Parlée Tabernacle. Amen. Amen. Nous allons passer aux hommes que l'État aussi a mis au milieu de nous pour que nous puissions les honorer aussi. Amen. Amen. Nous allons passer au chef du quartier. Mantimou Vincent. Vous êtes très fort. Nous allons passer au chef des zones Mouyokolo. Acclamez très fort. Nous allons aussi vous présenter les collaborateurs du pasteur Francis qui vient de Pointe Noire. Acclamez très fort, mes frères. Amen. Amen. Nous allons aussi vous présenter les deux ministres de Amen Tabernacle. Amen les deux ministres. Et les frères Bersetti et les frères Nicolas. Acclamez très fort. Bien, je crois que c'est ça nos invités, ce que nous allons présenter aujourd'hui. Et nous allons passer directement au temps du temps. Nous remettons la parole à l'invité principal pour déverser ce qu'il y a en lui. Acclamez très fort. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a permis d'avoir cette occasion encore d'être rassemblés dans en cet endroit autour de la parole Zinga et pour l'ordination de notre frère, pasteur
Roland Bonkuta, Roland Bonkuta et la dédicace de ce lieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment de communion fraternelle. En entrant dans cette salle tout à l'heure, je pouvais sentir une très bonne atmosphère. Ça montre que tous les cœurs n'ont qu'une seule pensée. C'est Christ. Et nous bénissons Dieu donc qui a fait ceci. D'ailleurs, il avait promis que là où deux ou trois seront assemblés en son nom, il serait au milieu d'eux. Et nous avons vu les efforts que le pasteur Roland a fournis en essayant de bâtir ce lieu, que les enfants de Dieu puissent se réunir, écouter la parole à l'abri du soleil et de la pluie. C'est un effort qui n'est pas négligeable. Et je pense que le ciel est content pour cela. Nous allons acclamer le ciel pour ce que notre corps a pu faire. Alors, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et nous disons un mot de prière. Notre Dieu, alors que nous nous levons pour lire ta parole, nous savons qu'il n'y a que toi qui peux nous en donner le contexte et nous amener dans la profondeur des eaux. C'est l'humble prière que nous t'adressons afin que chaque âme ici présente, Père, puisse te voir au travers de la parole manifestée. Accorde que je descende. Que maintenant toi tu puisses croître et que chaque âme, Père Tout-Puissant, reçoive de ta parole directement de toi. Nous avons confié ce moment à toi et placé tout sous ta gouvernance au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, nous allons lire du verset 42 jusqu'au verset 51. Matthieu 24, versets 42 à 51. Et nous lisons au nom du Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir.
Aujourd'hui, à l'occasion de cet événement qui est devant nous, l'ordination du pasteur Roland Bunkuta et la dédicace de cette église, j'ai voulu parler sur ce petit sujet très simple, un tout petit sujet sur lequel nous pouvons nous retrouver tous, où il n'y a que des éléments fondamentaux de notre foi. Tout à fait simple. Et nous l'intitulons le serviteur fidèle et prudent. Dans le passage que nous venons de lire, à l'endroit exact où Dieu parle de ce serviteur fidèle, avant de parler de ce serviteur fidèle, il a commencé par poser une question. Quel est donc ce serviteur fidèle que son maître établira sur ces gens? Attention, faites bien la lecture. La Bible est encore devant vous. On dit que son maître établira sur ces gens. Regardez que le C, remarquez qu'il est écrit avec un S-E-S. On ne l'écrit pas avec C-E-S. Si c'était C-E-S, eh bien là, ce serait quelque chose qui indiquerait un groupe de gens donnés et qui peut-être appartiendrait à ce serviteur. Mais ici, le S-E-S, eh bien, il s'agit d'un groupe de gens qui appartiennent au maître lui-même qui établit ce serviteur. C'est pourquoi, en fait, nos brebis ne nous appartiennent pas. C'est d'abord des brebis du Seigneur que nous sommes censés paître. Donc, la question a été posée. Quel est donc ce serviteur fidèle que son maître établira sur ces gens, les gens qui appartiennent à ce maître, pour qu'il leur donne la nourriture au temps convenable? Donc quand son maître va établir ce serviteur, ce serviteur aura une mission, celle qui consistera à donner la nourriture spirituelle autant convenable à ses enfants, à ceux qui appartiennent à ce maître. Il doit leur donner la nourriture autant convenable. Alors, ici, nous sommes dans un contexte assez difficile. Alors où je vous parle, nous ne sommes pas dans l'âge d'Éphèse. Alors où je vous parle, nous ne sommes pas dans l'âge de Smyrne ou de Pergame. Et vous savez bien que nous vivons les derniers jours. Donc nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Le temps de la fin. Les derniers jours. Or, la Bible s'accorde à dire dans quasiment plein de passages que les temps de la fin seront des temps très difficiles. Des temps pas faciles. Des temps vraiment difficiles et compliqués. Il sera difficile de trouver un serviteur qui soit fidèle. C'est pourquoi il commence par poser une question. Quel est donc ce serviteur fidèle? Sa question traduit bien qu'il était à la recherche d'un serviteur fidèle. Il voulait trouver un serviteur qui soit fidèle. Je sais que nous avons beaucoup des églises. Il y a les dénominations, les églises du message. Et tous se disent envoyés de Dieu. Mais malgré cela, je pose encore la question. Où est donc ce serviteur fidèle que moi, Dieu, je veux établir sur mes gens? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Verset 1 à 9, il est écrit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfaron. Hautain. Blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Voilà un portrait de ces derniers jours fait par l'apôtre Paul. Celui-là même qui a mis l'ordre dans l'église. Il donne un portrait terrible. Un portrait qui n'est pas glorieux pour l'église. Il donne un portrait indiquant que le temps de la fin sera difficile. Et où les gens seront irréligieux. Où les gens seront insensibles. Et ils seront amis de l'argent. C'est-à-dire que tout ce qui va les intéresser, c'est l'argent. Ils vont travailler pour l'argent. Ils vont se battre pour l'argent. Ils parleront au nom de Dieu pour l'argent. C'est ça le portrait des temps de la fin. Et Matthieu au chapitre 24. Et au verset 22 à 25 dit. Matthieu 24. Il est écrit, verset 22 à 25. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Dieu est obligé d'abréger les derniers jours. Dieu est obligé de faire que le temps soit court. Sinon, personne ne va être sauvé. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. Donc si on vous dit que vous le trouverez dans telle ville, il ne se trouve pas. Si on vous dit qu'il est dans un village et qu'il faut traverser une rivière et monter une certaine montagne, il ne se trouve pas. Il n'est pas dans ces endroits là car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Je m'arrête un instant là. Ça, c'est un passage qui est beaucoup utilisé par les sébéistes. Vous connaissez les sébéistes? C'est un groupe de gens très bien qui prétendument étudient les paroles, la parole. Et ils utilisent ce passage en disant aux gens, faites attention, il y aura des faux prophètes au temps de la fin. Cet homme de Branham dont on vous parle, il est l'un de ces faux prophètes. Attention, lisez bien les écritures. Il est écrit qu'il y aura des faux prophètes qui viendront. Et Jésus nous avait clairement dit qu'on les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous ne pouvez pas faire la distinction entre un vrai et un faux. Si vous n'avez pas la parole, alors montrez-moi la parole que vous avez et qui vous permet de faire la différence. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible,
même les cellules. Voici, je voulais annoncer d'avance. Et ils vont donc séduire beaucoup de gens. Et ils pourraient même arriver qu'ils séduisent les élus. Si cela était possible. Mais Frère Branham dit que c'est impossible. Un élu ne sera pas pris dans cette séduction. Et ça, c'est une promesse que nous avons. Tu es un élu, tu ne seras pas emporté par la séduction. Tout le problème ici, c'est de connaître parfaitement ta position. Donc, il y aura un temps difficile. Des faux prophètes vont apparaître partout. La séduction sera grande. Et notez bien qu'il s'agit de la séduction, particulièrement dans le domaine religieux. En ce qui concerne la parole de Dieu, le monde des églises, la parole de Dieu sera donc maquillée, bidouillée, tripatouillée, et on ne saura plus exactement quelle est la vraie parole. Et Frère Branham dit, dans ce jour dans lequel nous vivons, l'enfer est sur la terre. Et l'Apocalypse montre que le puits de l'enfer s'ouvrit. Apocalypse 9. Verset 1 à 4. Et alors tous les démons de l'abîme s'échappèrent. Et ils ont rempli la terre. C'est en cela que l'enfer se trouve sur la terre maintenant. Et ces démons sont partout. Ils ont gagné la terre entière. Ils ont gagné chaque secteur d'activité sur la terre. Ils ont gagné chaque domaine de la vie de l'homme. Vous allez au marché, il y a des démons partout. Vous savez qu'il y a des femmes qui vendent avec des fêtes sous les tables. Vous allez dans les milieux de travail, il y a des démons partout. Vous allez dans les écoles, il y a des démons partout. Dans les téléphones portables de vos enfants à l'école. Il y a des films pornographiques. À l'école, on a même des professeurs qui sont avec leurs élèves. Vous allez dans les quartiers, les démons sont partout. Il n'y a pas un seul endroit de la terre où le démon n'est pas rentré. Même dans les églises, il est rentré. Amen. Amen. Même dans les églises. Et Frère Branham te dit, je prends dans l'Éden de Satan. L'Éden de Satan. Paragraphe 22. Et même le paragraphe 27 également. Frère Branham dit, dans l'Éden de Satan, il dit, le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui se fait passer pour l'église. C'est Satan qui se fait passer pour l'église. Voyez-vous, pour l'église, ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Oh, vous dites un instant. Nous prêchons la parole. C'est ce que les églises disent. Oh, comment tu peux dire ça, Frère Branham? Nous prêchons la parole. Nous continuons, il est écrit au paragraphe 27. Cette tromperie de l'église d'aujourd'hui, voyez-vous, le fils de la perdition, le diable, le fils de la perdition, le diable. Donc les gens adorent Satan ces jours-ci. Les gens adorent Satan en ce jour-ci. En pensant qu'ils adorent Dieu. Mais ils l'adorent à travers un credo. Ils l'adorent à travers un credo. Des dénominations. Faites de main d'homme. Et des credos qui ont fini par entraîner les gens dans la plus grande tromperie.
Que le monde ait jamais connu. Peu importe combien la parole de Dieu promise. Promise pour ce jour-ci. Et prêché et confirmé. Il refuse quand même d'y croire. Il refuse d'y croire. Ils sont attachés à leur carte de membre. Ils sont attachés à leur cotisation statutaire. Ils se disent, quand je mourrai, la chorale viendra. Et il y aura des cotisations. Mais si la chorale vient à ton enterrement et donne sa cotisation, on chante pour toi, ça ne te fera pas rentrer au ciel. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas s'attacher à une église à cause de la chorale, à cause des cotisations ou à cause des mutuelles qui sont rentrées dans les églises. Une église de Dieu n'a pas besoin de mutuelles. Si tu veux aider quelqu'un, tu dois l'aider par communion fraternelle, par amour fraternel. Tu aides ton frère, tu aides ta soeur. Mais nous n'avons pas besoin de regroupement. Comme ça, si tu meurs demain, on vient cotiser pour toi. Non, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vraiment, on m'a dit, je ne m'inquiète pas pour mourir. Je ne m'inquiète même pas de savoir comment je mourrai. Mais je m'inquiète de savoir comment je sortirai de la tombe. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, Lelo, Satan se fait adorer dans les églises par les credos. C'est-à-dire des enseignements humains qui ne sont pas fondés sur la Bible, sur la parole de Dieu. Et les gens avancent comme ça, comme des moutons. On leur dit des choses, ils croient. Mais combien même qu'ils sont intellectuels, ils ne prennent pas le temps de vérifier dans la Bible. C'est cela. C'est alors que les églises ont été organisées, embrouillées, et on a vu apparaître dans les églises des femmes diacres. Montrez-nous où est-ce que la Bible en parle. J'ai entendu parler de Fouébé qui était diaconesse de l'église de Saint-Créès. Mais Fouébé ne se mettait pas debout aux portes. Les de l'époque, c'était des sœurs qui assistaient les ministres en voyage à l'époque. Ils prenaient soin de leurs vêtements, de leur nourriture, de leur maison. Ils préparaient aussi l'église en balayant les uns les autres. Mais ce n'étaient pas des diacres établis dans les églises pour dominer sur les gens. Amen. Aujourd'hui, on a des femmes qui prêchent. Et le plus souvent, ce sont les femmes des pasteurs. J'ai toujours posé la question. Pourquoi on ne prend pas aussi la vendeuse de charbon? Les femmes qui prêchent, ce sont des femmes des sénateurs, les femmes des députés, les femmes des colonels et des généraux. Mais pourquoi on ne prend pas aussi celles qui font le charbon? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose est rentré dans l'église. Et dans l'église, on a établi ce que vous appelez les tzinzani. Tout ça c'est bien, mais nous n'en avons pas besoin. Ainsi, l'organisation a complètement embrouillé l'église. Tenez, j'ai vu Jésus de parcours sur la terre, de passage sur la terre. Chaque fois qu'un malade se présentait à lui, il lui disait qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta demande, sois guéri, prends ton lit et marche. Mais aujourd'hui, dans les églises, on a formé des hôpitaux. On interne les gens. On a sorti des tisanes. Quand on donne aux gens, les ventes grossissent.
Nous ne sommes pas des médecins. Une église n'est pas un hôpital. Une église est un lieu où la parole est prêchée pour les âmes. Laissez les tisanes aux féticheurs. Et laissez les produits pharmaceutiques aux médecins. Toi, serviteur de Dieu, prends la Bible. Amen. Dans votre église, dites qu'on vous apporte la parole. Dans le livre de Somme, il est écrit. Somme chapitre 107. Et en verset 20. Il envoya sa parole. Et il est guéri. Comment Dieu guérit-il? Il guérit par sa parole. Voilà comment on choisit une église. Si tu ne parles la parole de Dieu, si la parole est dans cette église-là, alors j'ai choisi cette église-là. Mais l'organisation a fait son travail. Et tout a été hybridé. Et tenez mes frères de tous les âges de l'église, l'âge dans lequel nous vivons, toi et moi, celui-ci, l'âge des derniers jours, et bien c'est le seul âge où qui a mis Jésus à la porte. Dans tous les âges, Jésus était dans son église. Mais dans l'âge de la Odyssée, il se retrouve dehors. Dans Apocalypse 3, au verset 20, il est écrit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira, j'entrerai et je souperai avec lui. Il s'agit de quoi? Jésus n'est plus à l'intérieur. Jésus est dehors. Jésus a été chassé. La parole a été chassée des églises. La parole frappe à la porte des églises. La parole frappe à la porte des cœurs. La parole veut rentrer. Et c'est le seul âge qui a fait cela. Qui a mis Jésus à la porte. Notre âge est donc un âge terrible. Malgré les faiblesses des âges précédents, malgré les erreurs des âges précédents, jamais Jésus n'était mis dehors. Mais celui d'aujourd'hui, Jésus est complètement mis dehors. Le combat fait rage. Et le combat se passe spirituellement pour en sortir les enfants de Dieu de leur position et leur faire adorer Satan sans qu'ils ne le sachent. Donc c'est un âge vraiment compliqué. Et vous êtes témoins. Dans cet âge, il n'y a pas un endroit où vous mettez votre pied sans que vous ne voyez le péché. Dans les rues, dans les supermarchés, dans les bus, partout où vous allez, le péché vous aura précédé. C'est un âge compliqué. Un âge où pour que quelqu'un rentre sous une mauvaise influence, ça ne demande pas beaucoup d'années, juste un petit contact avec un sataniste et vous basculez. C'est cet âge-ci. Et malgré cela, c'est dans cet âge difficile, dans cet âge compliqué, que Dieu veut tirer une épouse sans tâche, sans ride, ni rien de semblable. Amen. Dans cet âge compliqué, est-ce qu'il arrivera? Je n'ai jamais vu Dieu échouer. Amen. Les temps sont certes difficiles. Est-ce qu'il réussira? Je n'ai jamais vu Dieu échouer. Y aura-t-il une épouse sans tâche? Je n'ai jamais vu Dieu échouer. Amen. Alors il a posé la question: quel est donc ce serviteur fidèle? Il a vu l'âge. L'âge final. L'âge qui terminera toute chose. Il a vu l'état de cet âge-là. Il a vu la complexité de cet âge. Le péché, la séduction dans cet âge-là. Alors il se pose la question: quel est donc ce serviteur fidèle? Quel son maître établira sur ces gens afin qu'il leur donne la nourriture au temps convenable? Sa question,
traduit très bien la difficulté qu'il avait de trouver un serviteur vraiment fidèle. Oui, il avait déjà essayé. Il a essayé au départ avec Adam. À son époque, Adam est tombé. Je n'ai pas besoin de revenir, vous savez. Il a pris Moïse. Moïse a frappé le rocher deux fois. Quoi qu'il y avait une prophétie derrière, mais il avait désobéi à l'ordre de Dieu. Il a pris Samson. Mais Samson est tombé à cause d'une femme. Samson a cause d'une femme. Samson a vendu sa position. Il a essayé avec Luther. Luther s'est embrouillé sur le baptême. Luther a bungisama qui ne l'y baptise. Il a dit aux gens qu'il faut baptiser. Par immersion, les plongeons dans l'eau. Parce que baptême veut dire immersion. Mais il n'a pas ramené le nom véritable. Il a continué à baptiser dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, les gens avec lesquels il avait essayé ont travaillé et ça n'a pas marché. La plupart avaient échoué. Et à cette époque-là, il ne pouvait pas révéler toute la parole. Et d'ailleurs, même quand Jésus arrive sur la terre, il dit à ses apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous le dire maintenant, parce que maintenant vous n'avez pas la capacité de porter ces choses. Mais ce qu'il avait à dire et qu'il n'avait pas dit, il a donc réservé pour quand? Amen. Donc les précédents ont échoué. Chacun a eu sa difficulté quelque part. Il lui fallait trouver vraiment un homme fidèle, un serviteur fidèle. Et tenez, rappelez-vous encore, j'ai dit que nous sommes dans les derniers jours. C'est le temps final, c'est l'âge final. Il n'y aura plus un autre âge après cet âge. Je répète, il n'y aura plus un autre âge après cet âge. Après cet âge viendra l'enlèvement. Nous n'attendons plus un autre âge de l'église. C'est terminé, c'est le dernier âge. C'est le temps de la fin. Alors à cause de cela, il fallait obligatoirement qu'il trouve un serviteur fidèle. Tenez, Paul est venu. Après Paul, il y a eu Irénée. Après Irénée, il y a eu Martin. Et après Martin, il y a eu donc Colomba. Après Colomba, il y a eu Luther. Après Luther, il y a eu Wesley. Donc, ils venaient chacun l'un après l'autre. Paul était le messager du premier âge. Irénée, c'est lui du deuxième. Et Wesley était le messager du sixième âge. Et Wesley, c'est lui qui m'a mis L'avant-dernier âge. L'âge qui venait avant le dernier. Le septième que nous appelons Laodicée. Donc notez, Paul. Après lui vient Irénée. Après Irénée vient Martin. Après Martin vient Colomba. Après Colomba vient Luther. Après Luther vient Wesley. Après Wesley vient Branham. Mais tenez, c'est que après Paul, il y avait un qui venait. C'était Irénée. Après Irénée, il y avait un qui venait. C'était Martin. Et après chacun d'entre eux, il y avait un qui venait. Mais après Branham, il n'y a pas un autre messager qui vient. Cela veut dire les erreurs de Paul, Irénée pourrait le corriger. Les erreurs d'Irénée, Martin pouvait le corriger. Les erreurs de Wesley, Branham pouvait le corriger. Mais si Branham commettait des erreurs, qui allait le corriger? Amen. Amen. C'est pourquoi il fallait un serviteur fidèle. Celui dont on serait sûr qu'il ne commettrait pas d'erreur. Alléluia. Amen. Pas d'erreur. Un homme fidèle qui ne dira que
ce que Dieu nous dira de dire. Et je dis ici avec force, il n'y avait pas meilleur homme que le septième ange pour être le serviteur fidèle que Dieu cherchait. Il est écrit Apocalypse 10 verset 1 à 7, mais qu'au jour de la fin du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Quand ce messager viendrait, il viendrait pour accomplir, pour achever le mystère de Dieu. Ça sera achevé, accompli. Mais si ça s'achève dans l'erreur, il n'y aura pas de vraie foi. C'est pourquoi en achevant le mystère, ça devait être clair, parfait, fidèle à la pensée originale de Dieu. Et c'est ce que ce messager a fait. Et d'ailleurs, tenez, il est écrit, quel est donc ce serviteur fidèle? C'est ce que nous avons lu, que son maître établira sur ses gens. Quel est donc ce serviteur fidèle que son maître établira sur ses gens? Quand vous êtes établi sur, vous n'êtes pas établi sous. Amen. Nous parlons français. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui invente. Quel est donc ce serviteur fidèle que son maître établira sur ses gens? Pas sur ces gens, sur ces gens. En d'autres termes, ce serviteur fidèle sera un chef. Il sera le chef de ces gens-là. Ne vous trompez pas. Il sera le chef. Vous rappelez-vous d'une vision qui avait été apportée à Frère Branham, où quelqu'un l'avait vu dans le ciel. Il y avait un grand rocher qui partait de l'est à l'ouest en forme pyramidale. Et Branham était déçu sur un cheval habillé en chef indien. Habillé en chef indien. Et la foi va dire, je parcourais encore ce chemin une fois encore. Je parcourais ce chemin une fois de plus. Une fois encore. Mais il était habillé en chef indien. Vous avez lu cela? Mais vous êtes passé. Mais c'était prophétique, c'était important. Cet homme sera un chef. Il sera chef sur ses gens. Et notez encore, quand Frère Branham est arrivé de l'autre côté et qu'il a vu tous les bien-aimés, il venait le saluer, l'embrasser. Il s'est étonné même de voir les sœurs l'embrasser. Et tout le monde disait, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Après, il se retourne. Il voit son corps sur le lit. Il se pose la question. Mais c'est bizarre. Mon corps est sur le lit. Je suis là. Et ces gens qui me disent, bien-aimé frère, que se passe-t-il? C'est alors qu'il entend une voix. Une voix qui va lui dire, monte ici. Et il y avait une sorte de piédestal. On l'a fait monter plus haut. Et il regardait tout le monde plus bas. Alors il pose la question, pourquoi m'avez-vous fait monter? Pourquoi moi je dois me tenir sur ce piédestal? La voix répond, c'est parce que quand tu étais sur la terre, tu étais un chef. Amen. Quel est donc ce serviteur fidèle que son maître établira sur ses chemins? Mes frères, ce serviteur fidèle, c'est William Marion Branham. William Marion Branham. Amen. Et notez qu'il a été dit,
Quel est ce serviteur fidèle que son maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. La nourriture au temps convenable. Et dans cet ange, un homme a prêché la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. C'est quoi c'est le message de l'heure. C'est le message de Malachi 4. C'est le message de Saint-Étonnerre. C'est ça la nourriture spirituelle. Si vous êtes dans ce message, alors vous êtes quelqu'un qui a trouvé le serviteur fidèle. Amen. Que le maître a établi sur ses enfants, sur ses propres gens. Amen. Amen. Il est notre chef. Vous me direz, pasteur, je pensais que notre chef c'était Jésus. Oui, Jésus est notre chef. Mais William Branham, en tant que messager de l'âge, il est aussi notre chef. Tout comme dans une église, le pasteur est le chef de l'église. Voyez-vous cela? Et je dois insister en disant, dans ce message, aucun pasteur n'est chef sur un autre pasteur. Amen. Je n'ai pas bien entendu. Je redis, je répète et je signe. Dans ce message, aucun pasteur, qu'il soit blanc, noir, peu importe son pays, n'est chef sur un autre pasteur du message. Amen. Je peux entendre un amen. Il n'y a pas un pasteur qui peut venir des États-Unis, de France ou d'Afrique. France, pour Afrique dire au pasteur Roland quoi faire, il n'y en a pas. Le pasteur d'une assemblée est l'autorité suprême de l'église. Amen. Et ce messager, William Branham, le serviteur fidèle, il devait alors venir, si il ne devait pas faire d'erreur, avec un ministère particulier. Le ministère qu'on appelle le ministère prophétique de la pierre de fête. Le ministère de l'infaillibilité de la parole. Laissez-moi vous lire cela. Vous aimez cela? Amen. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Amen. Je sais que nous aimons tous Jésus. Mais ce grand Jésus que nous aimons tant nous a envoyé ce serviteur fidèle qui est venu avec la nourriture spirituelle au temps convenable. Oh, gloire à Dieu. Depuis que vous êtes dans ce message, vous sentez certainement la différence avec les dénominations. Écoutez, dans les sept âges de l'église, Chapitre 9, page 320. Frère Branham dit, avant de conclure cette section sur le messager de l'Odyssée, nous devons considérer sérieusement ces deux pensées suivantes. Suivez-moi attentivement. Lecteur du message du temps de la fin, suivez-moi attentivement. Nous devons considérer sérieusement ces deux pensées suivantes. Qui parle ici? C'est le messager. Premièrement, cet ange aura un seul messager prophète. Cet ange aura un seul messager prophète. Pas deux. Pas trois. Peu importe ton ministère. Peu importe la couleur de ta peau. Nous n'avons qu'un seul prophète prévu pour cet âge. Un seul prophète majeur qui viendrait avec la nourriture spirituelle au temps convenable. Frère Madame, continue. Apocalypse 17 dit, quand il sonnerait de la trompette, lui il dit, quand il, entre parenthèses, au singulier,
C'est pas moi, c'est le messager. Au singulier. Quand il, au singulier, sonnerait de la trompette, dans aucun âge, Dieu n'a donné à son peuple deux prophètes majeurs en même temps. Ne changez pas le message. Ne changez pas le message. Peu importe combien vous aimez X, Y ou Z, laissez le message tel qu'il est. Il a donné Enoch seul. Il a donné Noé seul. Il a donné Moïse. Lui seul avait la parole. Même si d'autres prophétisaient. Jean-Baptiste est venu seul. En ce dernier jour. Il doit y avoir un prophète. Pas une prophétesse. Amen. Amen. Quelqu'un dit amène un messager. Moto, amen. Pas une prophétesse. Donc si j'entends qu'il y a une sœur quelque part qui tourne les dos aux gens, je sais que c'est le diable dans une chair humaine. Pas une prophétesse. Bien qu'en cet âge, il y ait plus de femmes que d'hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu. Pourquoi vous êtes étonné de voir que dans notre pays, il y a beaucoup de petits groupes de Bizinga. Les petits groupes de prière conduits par des femmes qui ont des prétendus dons de vision. Pourquoi vous êtes étonné? C'est le message qu'il avait prévu. Amen. Et la parole infaillible dit que c'est lui, le prophète, qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin. Et qui ramènera le cœur des enfants au Père. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. Je conteste cette affirmation. C'est une hypothèse collective. Totalement infirmé par Apocalypse 17. Or, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ce dernier âge. Oui, il y aura des prophètes mineurs. Et que leurs ministères peuvent être corrects. Et ils le seront. Je ne nie pas qu'il y aura des prophètes comme à l'époque de Paul. Où il y a eu un prophète nommé Agabus qui prophétisa une famine. Je suis d'accord que c'est vrai. Mais je nie. En vertu du témoignage infaillible de la parole, qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole. Et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. L'ainsi dit le Seigneur, par sa parole infaillible, reste encore valable et le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences, des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Un petit instant. Voyez-vous pourquoi la plupart des assemblées de messages ne s'entendent pas? Chacun avec sa doctrine. Moi je crois qu'il venait sur un nuage. Moi je crois qu'il venait sur un cheval blanc. Moi je crois qu'il était Dieu dans la chair. Elohim lui-même. Abraham l'a touché. Il a... Voyez les différences. Ça vient d'où? C'était prévu. Ne soyez pas étonnés quand plusieurs personnes embrassent la même doctrine. Cette doctrine va commencer à t'embrouiller. C'est très très
très très important. Voilà pourquoi au départ il commence par poser la question. Est-ce que je peux trouver un serviteur fidèle pour que je le place sur ces champs? Il voulait le mettre sur les champs afin que tous l'écoutent lui. Mais hélas, la prophétie a fait encore dit. Comme Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ainsi ces hommes s'opposeront à l'homme de Dieu au temps de la fin. La même chose se répète aujourd'hui. Où l'on voit des gens qui s'opposent au messager. Allant jusqu'à dire qu'il a commis des erreurs. Je continue. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité? Le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse, l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je veux vous dire qu'il aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement ou même plus encore que tous les autres prophètes de tous les âges d'Enoch à nos jours. Parce que cet homme au singulier, cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la foi du signe. Amen. Amen. Pas plusieurs messagers, mes frères. Un seul messager aura le ministère de l'infaillibilité de la parole. Là, c'est vraiment étonnant. Et quelqu'un peut se poser la question : comment un être humain, né d'un homme et d'une femme, peut faire un travail sans se tromper ? Oui, vous avez raison de poser cette question. Mais en ce temps de la fin, c'est ce qui était prévu. Et c'était prévu que Dieu lui-même le ferait au travers de cet homme. Parce que ce serait l'âge final et que nous n'aurons plus de temps après ce temps-ci. Tout se terminerait là. Ce serait un âge difficile, mais pour sortir une épouse sans tache ni ride, il faut qu'il y ait la pure parole. Donc cet homme ne devait pas se tromper. C'est lui le messager qui viendra donc avec la nourriture spirituelle au temps convenable et son maître l'établirait au-dessus de ces gens. Dans la prédication honteux de lui du 11 juillet 1965 au paragraphe 63, Fabanam nous dit, et je dis, il y a certainement quelque chose, une personne dans cette parole de Dieu, entre la Genèse et l'Apocalypse, avec qui tu as eu affaire et qui a eu le même genre de problème que moi. Abraham était en train de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu vraiment attendait de lui. Alors il dit, c'est dans la Bible, il est question d'une personne ayant fait quelque chose et que tu en aies eu après elle, montre-moi où cela se trouve. Quoi que cette personne ait fait, cela m'indiquera le chemin. Si j'ai fait quelque chose de faux, ou que tu veux que je fasse
ou ne fasse pas quelque chose. Montre-moi un personnage dans la Bible qui me soit un exemple. Puis je fermais les yeux en laissant simplement ma Bible ouverte. Je posais mon doigt sur un passage de l'écriture. C'était Genèse 24, verset 7. Où il est question d'Éliézer, le fidèle serviteur d'Abraham. Amen. Je continue, c'est lui qui parle. Je reviens un peu. On rejoue un peu le disque. Pour bien écouter la note. Je posais mon doigt sur un passage de l'écriture. C'était Genèse 24, verset 7. Où il est question d'Éliézer, le fidèle serviteur d'Abraham. Je m'arrête un instant. On ne dit pas. Regardez votre brochure à la maison. Un fidèle serviteur d'Abraham. Non. On le pointe. Amen. Le fidèle serviteur d'Abraham. Il continue. Le serviteur modèle de la Bible. Quoi? Amen. Nini? Donc même Paul ne l'était pas. Paul est là qui est en le serviteur Mosali, modèle de la Bible. Il y a Biblia. Envoyé à la recherche d'une épouse pour Isaac. Après, il ajoute, j'ai senti des frissons me parcourir. Amen. Parce qu'il s'identifiait. Vous connaissez l'Éliézer du temps d'aujourd'hui. Vous connaissez qui est Éliézer. Quelle est sa mission. Mais le message dit, c'est lui, le serviteur fidèle d'Abraham. Attention, du père Abraham. Il y a tata Abraham. Amen. Qui est le père Abraham? Un type de Christ. Un type de Dieu le Père. Le fidèle serviteur d'Abraham. C'était Eliezer. Abraham Christ. Eliezer, septième ange. Amen. Le septième ange est le serviteur fidèle de Christ. Amen. Le septième ange est le serviteur modèle de la Bible. Amen. C'est ici l'occasion de dire. Et je lève ma main. Il n'y a pas un seul pasteur au monde. Je lève ma main. Qui soit un pasteur modèle. Ça n'existe pas. Azalite. Amen. Amen. Il n'y en a pas. Bazalité. Un seul. C'est Moko. L'est. C'est le messager. Ezali William Branham. William Branham. Il est le pasteur modèle. Yazali Mokengeli Oyo Akoki. Amen. C'est pourquoi. Yangoana. Ne vous laissez pas influencer. Bino Nebotia Mananguya Mokote. Un quelconque pasteur qui viendrait de je ne sais où pour dire aux gens non, ça c'est faux, faites comme ça, on a connu ces choses en Koukabateke et vous savez où est-ce que ça nous a amené. Vous savez où est-ce que ça nous a amené. Le seul qui soit un pasteur modèle duquel tous les pasteurs du message y compris Joseph Branham c'est son modèle, c'est William Branham. William Branham. Amen. C'est le seul. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas me demander de tirer mon modèle de Joseph Branham. Non, je suis désolé. Amen. Joseph Branham n'est pas mon modèle. C'est un effet cadre comme les autres. Notre modèle, c'est William Branham.
Branham. William Branham. Le messager de l'heure. Soyez équilibrés. Nous aimons frère Joseph Branham. Nous bénissons Dieu pour lui. Et nous sommes contents du travail qu'il fait pour le royaume de Dieu. Et même pour le travail qu'il fait en tant que pasteur du Branham Tabernacle. Et pour la foi de Dieu. Mais quant à la prophétie, nous n'avons qu'un seul modèle. C'est le messager de l'heure. C'est lui le modèle. Ça y est là, Eliezer, le serviteur modèle de la Bible. C'est-à-dire de toute la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Vous avez connu Paul. Vous l'avez aimé. Vous êtes réjoui. C'était normal. Parce que jusqu'à ce temps-là, il n'y a que Paul que vous connaissiez. Le dernier n'était pas encore venu. Même dans la parole de Dieu, il est écrit. Dans le royaume de Dieu, le plus petit sera plus grand. Le plus petit. Dans votre famille, le plus petit, c'est qui? C'est le dernier. Le dernier, c'est qui? Le dernier, ah, c'est lequel? C'est le septième ange. Lorsqu'il vient, eh bien, à ce moment-là, il sera un modèle au-dessus de tous ces modèles. Amen. Amen. Et tous les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, toi, serviteur de Dieu, tu ne peux pas venir me dire que ton modèle, c'est Paul. Non. Toi, aujourd'hui, tu dois me dire que ton modèle, c'est Branham, le messager de l'heure. Amen. Amen. Alors, mais notez, il est le serviteur fidèle. Avant qu'on termine, c'est lui le serviteur fidèle. Mais rappelez-vous également que dans Matthieu, il est parlé d'un maître qui était parti louer des ouvriers aux différentes heures. Et il devait leur donner un salaire. Il est sorti à la première heure. Il a trouvé des ouvriers qui traînaient là. L'un d'entre eux s'appelait Paul. Il lui pose la question, que fais-tu là? Il dit, je suis assis au pied de Gamaliel en train d'étudier la loi. Il dit, laisse ça, viens, suis-moi. Il sort à la troisième heure. Il trouve un serviteur appelé Colomba. Il sort à la sixième heure. Il trouve un homme qui traînait sur la place publique. Un certain Luther. Il lui pose la question. Que fais-tu là? Il dit, je suis en train d'apprendre la philosophie. Pour devenir docteur en philosophie. Il lui dit, laisse ça, viens dans mon champ. Alléluia. Amen. Il sort là-haut à la neuvième heure. Il trouve un homme appelé Wesley. Il est suivi à la 11e heure. Il sort également. Il trouve un homme qui traînait sur la place publique. Il lui demande, que fais-tu là? Un certain Billy Branham. Amen. Amen. Que fais-tu là? Non, je suis ici venu dans cet endroit pour être gardien de ranch. Il laisse ça. Viens, suis-moi. Et chacun de ses ouvriers en couvre faire les 7 heures chez l'église. La première heure, rassembler les 3 premiers âges. Paul, Irénée, Martin. Paul, Irénée et Martin. Éphèse, Smyrne et Pergame. Éphèse, Smyrne et Pergame. À la troisième heure, il est venu trouver Colomba. À la sixième heure, il a trouvé Luther. Mais il n'était pas seul. Accompagné de tout ce groupe qui croyait en lui. À la neuvième heure, il trouve Wesley. Accompagné de George Whitefield. George Whitefield. De Charles Wesley. Na George Wesley. Et de tous les grands hommes de l'époque. Mais quand il arrive à la 11e heure, il trouve William Branham. D'ailleurs, tenez, quand on parle de l'heure biblique, si vous voulez faire la correspondance entre l'heure biblique et notre heure à nous, il faut ajouter à l'heure biblique 6 heures. C'est-à-dire, quand on dit qu'il est venu à la 11e heure, vous faites 11 plus 6. Ça vous donne quoi? 17 heures. Et ça lit 17 heures. Mais 17 heures, c'est quoi? Quand c'est 17 le matin? Heures, amen.
il est écrit vers le soir. Et le bina, vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Et donc le soir, quand il appelle Branham, comme dans tous les âges, Branham n'a pas été appelé seul. Branham a été appelé avec des auxiliaires. Je pèse mes mots. Je dis appelé. Appelé. Il n'appelle pas que Branham. Il appelle aussi les auxiliaires. Sauf ceux qui se sont fait auxiliaires eux-mêmes. Mais ceux qui ont été envoyés par Dieu, c'est Dieu qui les appelle. Et il les appelle pendant qu'il appelle le principal. Soyez calme, laissez-moi lire ça dans le prophète. Je sens que les gens ont peur. Amen. Dans les sept âges de l'église, c'est dans l'Église chapitre 6, à la page 223. Mon Dieu, ça c'est une bombe, suivez ça. À la page 223, chapitre 6 de cet âge de l'Église, page 223, il dit, il commence par citer un passage de la Bible. Apocalypse 2, 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Savez-vous que cette église était plus mauvaise encore qu'Akab? Savez-vous que pour un temps, lui s'est repenti, Akab s'est repenti, et qu'il a marché lentement devant Dieu. On ne peut pas en dire autant de l'église catholique romaine. Non, monsieur. Non seulement elle ne s'est jamais repentie, mais elle s'est au contraire acharnée à détruire tous ceux qui ont voulu l'aider à se repentir. C'est historique. Suivez ça maintenant. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité de merveilleux auxiliaires pour ses messagers. Il a donné à chaque âge de merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'église à Dieu. Nani, nani yango? Dieu lui-même. Amen. Il a appelé Branham. Branham. Mais il a aussi appelé des Éphésiens 4. Des auxiliaires. Je répète. Nabandeli. Le même Dieu qui a appelé Branham. Branham. C'est le même qui a appelé des Éphésiens 4. Sauf ceux qui se sont fait eux-mêmes Éphésiens 4. Il y a des gens qui ont réellement été appelés par Dieu. Branham était appelé par Dieu. Ces gens-là aussi ont été appelés par Dieu. Des Éphésiens 4 réels, véritables. Et généralement, Dieu les élève très haut. À tel point que s'il manque d'équilibre, il se fabrique même des noms parce que ce ne sont que des hommes. Il se fabrique des noms, il se fabrique des ismes et ils deviennent des Josué. Selon la parole de Dieu, nous n'avons pas un Josué que nous attendons. Il n'y en a pas. Exalité. Le Josué d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, Dieu appelle le messager. Mais le travail ne se fera pas seul. Il lui faut des ouvriers, des auxiliaires qui vont travailler avec lui. Jésus multiplia les pains, mais qui les distribua?
Ce sont les disciples, les apôtres qui distribuent ces pains-là. Le messager vient avec la parole. Qui va répandre la parole partout. Ces Éphésiens 4-là. Ces auxiliaires-là. Je répète, ceux-là qui ont été réellement appelés. Et parlons de cela. Je voudrais que vous sachiez, nous avons d'un côté le ministère de Malachie 4. Ensuite, nous avons le ministère des bandes, laissé par Malachie 4. Que les croyants du message continuent à suivre. Et je crois dans le ministère des bandes. Je crois dans l'écoute des bandes dans les églises. C'est un ordre. C'est scripturaire. Mais seulement à côté de ces deux ministères, le ministère de Malachie 4, le ministère des bandes, il y a un autre ministère, le ministère des Éphésiens 4, les auxiliaires du messager. On ne peut pas remplacer les Éphésiens 4 par les bandes. Ça ne se peut pas. Vous ne pouvez pas avoir une église où on n'écoute que les bandes. Non. Non. Frère Branham, ça n'encourage pas ça. Nous croyons dans l'écoute des bandes. Mais on ne peut pas annuler les Éphésiens 4. Je ne peux pas dire que les Éphésiens 4 doivent quitter pour introduire Branham. Soyons sages. Le message ne peut pas être changé. On a le messager et on a les auxiliaires. C'est le même messager qui en parle. On ne peut pas changer cela. C'est pourquoi l'Éphésiens 4 a sa place. L'Éphésiens 4 a son avenir et aura encore un avenir. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, est-ce que l'épouse aura un ministère en ce temps de la fin? Il répond oui. Et il ajoute, cela consiste en évangéliste, en pasteur, en docteur et apôtre. Voilà ce dont il parle. C'est le messager qui le dit. La bande n'est pas apôtre. La bande n'est pas docteur. La bande n'est pas évangéliste. Je répète, nous croyons dans le ministère des bandes. Nous croyons dans l'écoute des bandes. Dans nos églises, je crois ça. Si un pasteur a peur qu'on écoute les bandes dans son église, il est en train de cacher quelque chose. Parce que quand on va mettre la bande, ça va couper la doctrine du pasteur devant les brebis. Alors là, il se dit, quoi? Le pasteur nous avait dit, mais comment ça va dire ça? Ils ont peur de ça. Mais le véritable auxiliaire n'a pas peur. Parce qu'il a été envoyé par le même messager. Le même Dieu que le messager. Il n'a pas peur. Ainsi, on croit dans le ministère des bandes, mais ça ne peut pas remplacer le ministère des Éphésiens 4. Toutes ces choses vont ensemble pour l'édification du peuple de Dieu. Et moi, je crois encore, j'ajoute, que c'est vraiment bien que dans nos églises, nous écoutions les bandes de Frère Branham. Parce que ça va permettre aux enfants de Dieu d'être directement en contact avec le messager. Et si ce que le messager dit, c'est ce que le pasteur a toujours dit, mais les prévus auront davantage confiance dans le pasteur. S'il arrive que le messager dit une chose, le pasteur avait dit autre chose, c'est simple. Ne tremblez pas. Prenez la citation où Frère Branham avait dit ce que vous avez dit et vous venez devant le peuple après l'écoute des bandes. Vous leur dites ce que Frère Branham a dit là est correct. Mais le même Branham dit encore ceci. Tu prends la bande et tu lis. Amen. Et le peuple prend tout ce que le messager a dit. Voilà ce que l'auxiliaire fidèle du temps de la fin doit faire. Je reviens et je termine. William Branham est le serviteur fidèle aujourd'hui. Le serviteur fidèle, ce n'est pas moi. Ce n'est pas votre pasteur. Non. C'est William Branham. Nous sommes des auxiliaires. Maintenant, Dieu veut que nous soyons des auxiliaires
fidèles. Amen. Il veut que nous soyons des auxiliaires fidèles. En devenant des auxiliaires fidèles, nous devenons des serviteurs fidèles. Amen. Mais nous ne sommes pas le serviteur fidèle. Le serviteur fidèle, c'est William Branham. Mais nous sommes des serviteurs fidèles. Tous ces pasteurs ici. Vous comprenez cela? Et Frère Branham dit, je termine là, parce que faut que vous voyez ça vous-même dans le message, dans le livre Les 7 âges de l'Église, chapitre 4. 7 âges de l'Église, chapitre 4, à la page 149, il est écrit, page 149. C'est beau le message. Si vous restez avec le message, il n'y aura pas de problème. Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Donc, lui, il est le messager, le serviteur fidèle. Nous sommes des serviteurs fidèles, des auxiliaires fidèles au messager. Notre rôle, c'est de prendre la lumière venue par le messager et de répondre à cette lumière. Et nous devons veiller à ne dire que ce que le messager a dit. Voilà pourquoi à la lumière du messager, on ne peut pas remplacer un Ephésiens 4 par une cassette. Ce n'est pas faisable. Les églises doivent continuer à être dirigées par des Ephésiens 4. Et toutes ces églises, ces Ephésiens 4 joueront les bandes de frères Branham. Soit en partie comme je le fais en lisant, soit en totalité, on prend toute la bande, on joue, toute l'église s'assoit, écoute et dit amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà ce que nous voulons. Et aujourd'hui, pour l'ordination de notre frère, j'ai voulu qu'il sache que Dieu nous appelle à être des serviteurs fidèles. Amen. Vous avez une belle église, mais il faut que la parole reste à l'autel. Amen. Ce ne sont pas les membres qui font une église. Je veux dire le nombre de membres, mais c'est la qualité des membres qui fait une église. Mais on ne peut pas avoir la qualité dans les membres si on n'a pas la parole du haut de la chair. Pour avoir la parole du haut de la chair, il faut laisser parler Frère Branham. Laissez le message parler. Et vous verrez que le Dieu qui a envoyé ce messager vous appuiera et vous confirmera. Il va vous accompagner. Ne fabriquez pas. Tout serviteur de Dieu doit étudier la parole avant d'aller devant le peuple. D'ailleurs, dans la prédication, se ranger du côté de Jésus, au paragraphe 120, 112 jusqu'à 120, Frère Branham dit, il parle au serviteur de Dieu, aux Ephésiens 4, il dit, étudiez le message. Familiarisez-vous vous-même avec ce message. Puis, affirmez-vous vous-même. Vous devenez à votre tour un petit messager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons remettre un moment au Seigneur. Mets ma vie en feu, Seigneur. Mets ma vie en feu.
Jésus. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous dans cet âge. Tu nous as permis dans ta grâce d'avoir un grand ministère en ce temps de la fin. Ton messager, le septième ange, que tu as envoyé avec la nourriture spirituelle au temps convenable pour les gens de ce temps-ci. Et tu as dit que tu l'établissais sur tous tes gens. Oh Dieu, nous sommes donc censés l'écouter lui et non pas nous fabriquer nos propres doctrines ou révélations. Soutiens-moi, soutiens tous mes amis pasteurs ici et tous les autres au travers de la terre entière habitée, afin que nous ayons à cœur de ne dire que ce que le messager a dit. Pardonne toute imperfection et bénis ta parole dans chaque âme, dans chaque cœur, et que ça produise les pousses de Jésus-Christ. Sans tâche ni rite ni rien de semblable. Souviens-toi des requêtes qui sont dans les cœurs et que tes enfants voulaient voir exaucés. Les besoins qu'il y a, peu importe ce que c'est, que tes enfants reçoivent ce qu'ils veulent avoir dans leur cœur, Seigneur. Que l'honneur te revienne. Bénis la suite du programme au nom de Jésus-Christ. Amen. À présent, nous allons passer à l'ordination du pasteur Roland Bukuta. Je m'en vais lire d'abord un petit passage de la Bible, vous pouvez rester assis. Restez assis, 1 Timothée chapitre 4, verset 14. 1 Timothée 4, verset 14, il est écrit: ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ce que nous allons faire maintenant, en ordonnant le pasteur Roland dans le ministère, c'est une pratique qui est biblique. Elle est là, elle a été faite à l'époque de Paul. Frère Branham l'a aussi fait de son temps. Et comme c'est la parole, nous continuons à le faire tout le temps. Alors, le pasteur Roland va s'approcher ici devant. Très bien. Vous regardez juste l'assemblée. L'ordination. L'ordination d'un pasteur ne lui confère pas un ministère. Mais l'ordination d'un pasteur
sanctionne un ministère que nous avons vu dans sa vie. C'est-à-dire qu'on a vu le pasteur travailler et nous sommes sûrs, nous sommes convaincus que c'est un ministère de Dieu. Alors nous imposons les mains aux frères pour l'ordonner ou l'établir dans le ministère. C'est ce que cela veut dire. Maintenant, cela est aussi très important parce que nous sommes dans une sorte de course à relais où quelqu'un tient un témoin, il court, il passe le témoin au suivant et celui-là continue, il court, il passe au suivant. C'est vraiment important. Dans cet âge, nous avons eu un messager envoyé de Dieu qui est venu avec la plénitude, la puissance de l'onction de Dieu. Et Frère Branham lui-même, à cause de la parole, a été ordonné. À l'époque, il l'a fait quand il était à l'église baptiste. Et je crois que c'est le docteur Roy Davis qui devait l'avoir fait, si je ne me trompe. Maintenant, cela ne donnait pas à Frère Branham son ministère. Cela confirmait seulement qu'il avait un ministère venu de Dieu. Et Frère Branham, tout au long de son ministère, a ordonné des hommes. Frère Branham a prié pour le pasteur Coleman. C'est le passage du témoin. Coleman a prié pour le pasteur Baruti. C'est le passage du témoin. Et Baruti a prié pour le pasteur Francis. C'est le passage du témoin. Et aujourd'hui, nous prions pour notre frère Roland. Ça veut dire quoi? La même onction originale qui était sur Frère Branham, c'est celle-là qui viendra sur le pasteur. Alors, comme je l'ai dit, nous ne fabriquons rien. C'est vous, Église, qui savez si ce frère a un ministère ou pas. Alors, déjà, combien ici connaissent le frère? Combien ici le connaissent? Très bien. Combien croient que frère Roland Bukuta est un serviteur de Dieu? Très bien, merci beaucoup. Alors, pasteur Roland, tu vas poser tes mains sur la Bible. Très bien. Pasteur Roland, est-ce que tu crois que Malachie 4 s'est accompli au travers du ministère de William Aaron Branham? Oui, je le crois de tout mon cœur. Pasteur Roland, est-ce que devant cette assemblée et ces ministres qui sont ici, tu promets d'évangéliser le Seigneur Jésus-Christ, de répandre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ conformément et fidèlement aux enseignements apportés par le prophète de Dieu William Marion Branham? Je promets d'être le serviteur parmi les serviteurs fidèles auxiliaires de Malachie 4. Très bien. Alors maintenant, nous allons passer à la prière pour notre frère. Vous allez vous mettre à genoux, pasteur. Non, regardez toujours l'assemblée. Alors je demande à certains serviteurs de Dieu qui ont déjà été ordonnés de s'approcher. Nous allons prier pour frère Roland. Ceux qui ont déjà été ordonnés. Alors nous inclinons notre tête pour la prière. Dieu notre Père céleste, toi qui es le donateur de tout don merveilleux,
C'est toi qui as dit dans la parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa vie. En voici un Seigneur. Voici un ouvrier. Notre frère Roland Mokuta. Maintenant, Père, envoie-le. Qu'il aille avec la même onction qui était sur frère Branham. Envoie-le. Qu'il aille avec la même puissance de l'esprit qui est élevé accompagner les Éphésiens 4 d'aujourd'hui. Envoie-le. Afin qu'il aille et possède toutes les portes de ses ennemis. Envoie-le. Afin que rien ne résiste à sa prière. Sois à ses côtés, Seigneur. Et que par lui, les malades soient guéris. Les aveugles voient. Même les morts ressuscitent. La parole soit enseigné fidèlement à Malachi 4 et beaucoup d'âmes soient gagnées pour ton royaume, Seigneur. Nous l'ordonnons dans ce ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le comme ton Seigneur et chaque fois qu'il aura besoin de toi, appuie-le dans le travail, qu'il ne soit jamais seul, mais que tu sois à ses côtés comme tu étais avec les apôtres qui partaient prêcher ta parole. Nous ordonnons notre frère ministre de l'évangile dans ce message du temps de la fin selon Malachi 4, Luc 17, 30 et Apocalypse 10 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors tu peux te mettre debout, frère pasteur. Voici notre main d'association. Cela signifie que nous te soutiendrons. Nous serons à tes côtés chaque fois que tu auras besoin de nous. Que Dieu te bénisse richement. Alors les ministres vont aussi leur donner leur main d'association. Assemblée, vous devez le soutenir. Vous devez l'assister. Quand un homme se bat comme ça tout seul pour élever une œuvre à l'heure au nom de Dieu, tout le monde le regarde souffrir. Et au moment que l'église devient assise et grande, alors les gens pensent qu'il faut venir couper un morceau de gâteau et amener. N'acceptez jamais de telles choses. Restez avec votre pasteur. Soutenez-le. Ce n'est pas un ange. Il commettra des erreurs. Le frère Branham dit, même s'il commet des erreurs, pardonnez-lui et continuez à avancer. Alors, vous restez toujours assis. Nous allons passer à la dédicace de ce lieu, ce bâtiment, et le dédier à l'œuvre de Dieu. Je ne le ferai pas seul, nous allons le faire ensemble. Je m'en vais lire dans 2 Chroniques au chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 1. Il est écrit: lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël vinrent
plutôt vire descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Le roi et tout le peuple, nous allons le faire ensemble. Ce tabernacle a été construit en l'honneur de l'Éternel. Et dans ce que vous voyez là, mine de rien, il y a de l'argent qui est rentré. Mine de rien. Et rien n'est gratuit pour ça. Je disais au pasteur Roland, quand je vois tout l'argent que vous avez mis ici, tu pouvais prendre cet argent et puis voyager pour aller loin. Mais tu as préféré utiliser cela pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur soit vraiment béni pour cela. Frère Manam disait, quand vous voyez ceci, ça montre ce que ce pasteur-là a sur le cœur. Ça veut dire qu'il a les brebis sur le cœur. Il veut que les brebis soient dans un endroit où ils peuvent écouter la parole de Dieu dans des meilleures conditions, à l'abri de la pluie et du soleil et des dérangements du dehors. Et ça montre aussi ce que le pasteur a sur le cœur, parce que ça montre quelle est la place qu'il donne à son Dieu dans son cœur. Il m'a dit à Pointe Noire du pasteur, j'ai fait une église là-bas, je voudrais vous inviter pour la dédicace et tout. Dans mon cœur, je me suis dit, quoi? À peine qu'il est allé à Brazza, il a déjà fait une église. Mais justement, ça montre ce que la personne a sur le cœur. Que notre Dieu soit béni pour cela. Maintenant, comme ça a été fait pour Dieu, ça a été fait en l'honneur de Dieu, alors nous allons dédicacer ce lieu à Dieu. Ce que nous allons faire, premièrement, nous allons tous nous mettre debout. Et tous ensemble, après le petit chant que je vais chanter, nous allons lever nos mains vers le ciel et remettre ce bâtiment, ce tabernacle à Dieu. Tous ensemble. Il descend de plus en plus. Il descend de plus en plus. L'Esprit du Seigneur descend de plus en plus. Descend de plus en plus. Encore une fois donc, de plus en plus. L'Esprit Seigneur descend de plus en plus. Quand les saints mettent à prier, chacun de nous va lever ses deux mains vers le ciel et consacrer cette maison à Dieu.
garde au loin, au-delà du Jourdain. Céleste, voici ce tabernacle qui aujourd'hui est dédié à toi. Voici ce tabernacle, Seigneur. Amen, tabernacle. Amen. Conduit par ton serviteur, le pasteur Roland Bunkuta. Voici ce tabernacle qui est le fruit du cœur de ton serviteur et de l'église ici. Ils ont fait cela pour te montrer leur amour. Ils ont fait cela pour te montrer quelle place tu occupes dans leur cœur. Ils se sont dépensés pour que ce lieu soit fait, soit construit et bâti comme ceci. Chacun d'entre eux a donné le meilleur de lui-même. Ils se sont parfois privés afin que l'argent soit utilisé pour bâtir ce lieu. Notre Père Céleste, et ils l'ont fait parce qu'ils voulaient te donner ce lieu afin qu'il soit un tabernacle du Dieu vivant, une église du Dieu vivant, un lieu où on doit adorer Dieu, un lieu où on ne vient pas pour faire n'importe quoi, un lieu qui ne va pas servir à vendre des choses, un lieu où les gens ne viendront pas pour bavarder et chicaner, mais un lieu qui va servir à la gloire de Dieu, un lieu qui va servir pour le culte de Jésus-Christ, pour la proclamation de l'évangile, pour la proclamation du message de Malachi 4, pour la proclamation de l'évangélisation du temps de la fin. Alors Père, nous venons à toi, ce peuple et nous autres pasteurs, les pasteurs et le peuple, pour te recommander entièrement ce lieu, qu'il te soit entièrement consacré, qu'il soit la maison de Dieu, qu'il soit un tabernacle de Dieu dédié uniquement à l'adoration de Jésus-Christ, où la parole de Dieu sera annoncée et répandue. Quand les pécheurs viendront à cet endroit, que l'onction de Dieu soit toujours présente pour les recevoir et toucher leur cœur. Quand les pécheurs viendront à cet endroit, qu'ils ne sortent jamais comme ils rentreront, mais qu'ils sortent touchés par le Saint-Esprit, sauvés et régénérés, Seigneur. Notre Père, que ce lieu soit un phare qui sera vu de loin par les voyageurs égarés, par les voyageurs égarés dans le péché, qu'ils voient ce lieu comme un phare et qu'ils s'y courent pour sauver leur vie.
de jour comme de nuit, que ta présence soit dans ces lieux. Nous t'appelons Seigneur, que la colonne de feu soit dans ces lieux, et que la parole sera annoncée ici, que la colonne de feu appuie la parole, que les âmes soient donc que sont faites, les malades atterrissent, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, révèle-toi aux gens en cet endroit, Seigneur. Bénis son pasteur, le pasteur Roland Bukuta. Donne-lui ce qui lui manque et équipe-le afin qu'il soit un serviteur fidèle dans cette maison, annonçant Jésus-Christ à la lumière de Malachie 4, de l'Église 30 et l'Apocalypse 10. Bénis aussi son peuple afin qu'ils aiment leur pasteur, qu'ils se soumettent à leur pasteur, et tous ensemble qu'ils soient soumis à Jésus-Christ, notre seule tête. Voici, nous te consacrons ce lieu. Prends cette maison. C'est ta maison. Habite ici. C'est ta maison. Vis ici. C'est ta maison. Manifeste-toi ici. C'est ta maison, Seigneur. Même quand les gens viendront chanter des cantiques spéciaux, que l'onction se propage. L'onction se dégage. Que les gens sentent cela, le ressentent, Seigneur. Ainsi, prends cette maison comme une offrande venant du cœur de ton serviteur Roland Bukuta. Et de tout Amen Tabernacle. Une offrande qui t'est dédiée. Reçois cela. Et que cela soit ta maison. Alors que nous dédications cela à toi maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ et sous son sang versé. Amen. Amen. Alors que Dieu le Seigneur vous bénisse richement. Zambe ya pambola bino koleka. Alléluia. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Ya pambola bino. Quoi qu'après cette belle cérémonie. Le pasteur Roland. Kengeli Roland. Tout fraîchement. Bintana Mubimba. Honoré. Oui, Wasuami Lokumu. D'avoir un mot à dire au peuple de Dieu. Qui cause la liloba. Je vous invite à se lever, à suivre sous vos applaudissements. Je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis beaucoup touché pour la présence de chaque frère. De chaque ça me va droit au cœur. Que le ciel s'ouvre pour chacun de nous. Et que le corps, et l'âme et l'esprit de chacun de nous soient consacrés à l'Éternel. Amen. Et que le retour de tout un chacun à la maison soit une grande bénédiction pour chaque famille. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais. Naningaki. Je veux. Naningi. Abréger mon témoignage. Est-ce que vous me permettez? Amen. Amen. C'est toujours bien d'avoir un père spirituel. Sinon, tu es un pasteur Melchisedec. Je suis très content d'avoir comme père spirituel le pasteur Francis Tinona. Mokengeli Francis Tinona.
Rapidement, bien-aimé, comment je l'ai connu? Je fus dans le passé un évangéliste sectoriel du renouveau charismatique. C'est un mouvement qui existe dans l'église catholique. Je crois que des bien-aimés savent. Et pendant que j'étais évangéliste dans le renouveau charismatique, il y a eu un moment où l'église ne voulait plus de moi. Il y a eu un moment où, bien aimé, le cercle du renouveau, là je fonctionnais à la grande paroisse de Saint-Pierre-Clavier. Il y a eu un moment, bien aimé, le monde qui était autour de moi me rejetait. Et quand je posais la question du pourquoi, la réponse était parce que ta façon d'annoncer l'évangile n'est pas appropriée à l'église. Et moi-même, je ne comprenais rien. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, à un niveau donné, l'église m'a traité de magicien. Rejeté totalement. Bien-aimé, j'ai passé un moment tellement triste. Et pendant que l'église me persécutait, pendant que l'église ne voulait plus de moi, parce que ma façon d'annoncer l'évangile était contraire. Et souvent dans ma chambre, je me posais la question, Seigneur, quelle est cette façon qui est contraire à l'église? Bien-aimé, et pourtant je soutenais, la doctrine mariale. Je vous assure, j'ai soutenu cette doctrine. J'ai annoncé cette doctrine sans base biblique. Entre parenthèses. Donc souvent je me posais des questions, mais pourquoi le rejet? Pourquoi ceci, Seigneur? Et pendant que j'ai des problèmes, donc, bien aimé, dans l'enceinte, alors au moment que j'ai des problèmes, dans le quartier aussi, ça n'allait plus. Parce qu'en tant qu'évangéliste sectoriel, donc j'avais la charge de quelques paroisses. Je ne sais pas si vous comprenez. J'avais la charge de quelques paroisses. Alors, ma tâche était, je devais encadrer maintenant les évangélistes de toutes ces paroisses-là. Et chaque fois que je venais dans ce secteur, bien aimé, Dieu m'a connu bien avant la fondation du monde. Chaque fois, bien que j'étais dans le faux, je vous assure de tout mon cœur, quand je me levais pour annoncer l'évangile, bien que ce que je soutenais n'était pas biblique, je vous assure, comme le nom de Jésus-Christ était confessé, le surnaturel m'accompagnait. Et cela bougeait. Le renouveau, ma sœur est là, elle peut témoigner. Amen. Je ne comprenais rien. Et chaque fois que je venais dans le secteur annoncer l'évangile, à mon retour, des problèmes. Bref, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et pourtant, je soutiens la doctrine de l'église. Je lis la même Bible. Bien aimé, c'est un moment tellement triste. Donc, pendant que l'église me persécute, le quartier aussi me persécute. Parce que, en tant qu'évangéliste sectoriel, j'avais une cellule chez moi. Et dans cette cellule, il y avait une maman. Je dis bien une maman. Alors, une fois, nous sommes partis chez elle faire la prière. Et à la fin de la prière, quelque chose s'est passé dans cette parcelle. Alors, je reviens à la maison.
Bien aimé, pendant que je me reposais, le Seigneur me montre une vision. La vision disait quoi? Dans la vision, je voyais maintenant la fumée qui entourait la parcelle de cette sœur. Le lendemain, les problèmes ont commencé. Entre le mari de cette femme et moi. Alors cet homme, c'est un papa, un vieux. Il s'est levé pour me dire, toi tu sors avec ma femme. Et cet homme, ce papa m'a fait des problèmes terribles. Donc pendant que j'ai des problèmes, là, dans la paroisse, alors le quartier aussi bien aimé me persécutait. Bien aimé, mon cœur est beaucoup déchiré. Mon cœur était beaucoup déchiré. Je disais, Seigneur, je ne comprends plus rien. Bref. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qui va arriver? J'avais prié pour un frère. Et Dieu avait exaucé cette prière. Dieu l'avait élevé comme directeur départemental du commerce à Pointe-Noire. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, pendant que ça chauffe ici à Brazza, pendant que bien aimé, tu ne dors plus. Entre-temps, quand tu dors, je vous assure, je ne sais pas, l'insomnie tous les jours. C'est une persécution qui a pour objectif bien aimé la mort physique. Je voyais la mort dans le quartier, ça n'allait pas dans la paroisse, ça n'allait pas. Je ne comprenais plus rien. Et pendant que j'étais en prière, Dieu va toucher ce frère à Pointe-Noire. Il m'appelle pour me dire, Kadé, Dieu t'a exaucé. Je deviens directeur départemental de commerce. Ce que tu dois faire, demain, prends l'avion. Emprunte seulement ce que tu peux. Dès que tu arrives à Pointe-Noire, je rembourse. Vous comprenez ça? Donc pendant que ça n'allait plus ici à Brazza, Dieu va se servir de ce frère. Alors regardez comment, bien-aimé, je quitte Brazza pour me retrouver à Pointe-Noire. Et quand j'arrive à Pointe-Noire, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit que le combat est resté à Brazza. Donc à Pointe-Noire, c'est une ville nouvelle pour moi. Alors qu'est-ce que je fais? Je dois m'inscrire dans une grande paroisse là-bas en ville, Notre-Dame en ville. Quand j'arrive là-bas, je me présente. Une fois bien aimé, ils m'ont permis bien aimé de monter du haut de la chair. Quand ça a sonné une fois, c'était encore grave. Là-bas aussi, à Notre-Dame, les gens ne voulaient plus de moi. Alors là, bien aimé, j'étais. Maintenant, pendant que je reviens à la maison, j'ai dit, Seigneur, quel est ton problème? Ton problème, c'est lequel? Là-bas, à Brazzaville, je ne suis pas aimé. Ici, à Pointe-Noire, je ne suis pas aussi aimé. Mais quel est le problème? Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Bien aimé, c'est important pour moi de témoigner. Je ne sais pas si c'est important aussi pour vous. Alléluia. Amen. Donc pendant que là-bas à Pointe-Noire, ça n'allait plus. Alors un jour, j'étais devant l'écran. Je suivais une émission intitulée 30 minutes pour dire Amen. Je vous assure, ça n'allait plus. J'ai dit, Seigneur, ce que je peux faire, je reste à la maison. Je tombe sur un livre écrit par une certaine Rebecca Brown.
Rebecca, je ne sais pas si. C'est un livre qui parle du combat spirituel. Donc je méditais là, je dis, cette femme-là est sérieuse. Donc pendant que je lisais, je regardais, je suivais l'émission. Maintenant, qui passait, c'est le pasteur Francis. Je ne l'avais jamais connu. Pendant que je le regarde, la façon dont il, bien-aimé, maniait les Écritures, la première question, Seigneur, cet homme-là, c'est comme s'il a toute la Bible dans sa tête. Mais cet homme-là, quand il parle, ça me touche. Et ce qu'il dit est vraiment perçant dans mon cœur. C'est-à-dire, pendant que le pasteur présentait les églises, je vous assure, une chaleur dans mon cœur. Maintenant, à la fin de l'émission, j'ai entendu une voix. Prends le numéro de téléphone qui défile. J'ai pris le numéro de téléphone. Oui, donc à la fin de l'émission, il y avait le numéro qui défilait. J'ai pris ce numéro-là. Numéro une voix me dit, appelle-le. Ne dors pas sans l'appeler. Je formule le numéro rapidement là. J'appelle maintenant le pasteur. Shalom, non pas Shalom. Bonjour pasteur. Parce que là je ne connaissais pas Shalom. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Là, je ne connaissais pas Shalom. Je vous assure. Pour moi, c'est une occasion de donner ce témoignage. Dieu a voulu que Tinona puisse m'engendrer. Et jusqu'à la fin de ma vie sur terre. C'est mon père spirituel. Amen. 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 Donc, pendant que j'appelle le pasteur, le pasteur me dit, il dit, pasteur, est-ce que je peux te rendre? Je suis à Fontiété, là, le quartier, là. Je suis à la maison, frère, tu peux venir dire ça. Je dois rencontrer ce monsieur-là. Alors, il m'a reçu. Nous avons passé un moment vraiment béni. 30 ou 45 minutes comme ça. Maintenant, tête à tête, quand il parlait, je me disais, oh, mais moi, je pensais que je connaissais la parole. Mais alors là, c'est grave. Mais ça me dépasse. C'est-à-dire, c'est comme un jeu d'enfant. Il va à gauche, il va à droite. Frère, pardon. Montre-moi seulement l'église, je viendrai. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je suis parti à l'église. J'ai écouté. Je me suis retrouvé. J'avais la paix dans mon âme. Je vous assure, c'était une joie pour moi. J'ai commencé maintenant la marche avec le message du temps de la fin. Amen. Et quelques temps après, je me suis fait baptiser. Le diacre n'est pas venu, celui qui m'a baptisé. Viens, frère, s'il te plaît, tu dois venir. Ça, vraiment, permettez-moi. Alléluia, tu vas venir. Viens. Amen. Alors, reste là. Alors, il y a eu un moment où le frère m'amène aux eaux du baptême. Très gentil. Et quand je l'ai vu, bien aimé, venir, je dis, oh Seigneur, voilà l'homme qui m'a baptisé. Seigneur, bénis-le encore. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le frère? Amen. Merci frère, que Dieu te bénisse. Alors, je me suis fait baptiser. Et puis, il y a eu un temps où le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur Brazza. Et quand j'arrive sur Brazza, j'ai commencé comme étant une église de réveil. Les femmes venaient en pantalon. Même la femme que j'ai là, que j'aime beaucoup là, cette femme-là était en pantalon.
Je vous assure. Hein, je prêchais, voyez. Hein. Mais nous, le jour où j'ai commencé à prêcher le message, le premier à qui j'ai donné, j'ai remis la brochure, c'est le frère Nicolas, il est là. Il est là. Je lui dis, mais le pasteur a changé comme ça. Il a pris un peu. Je vous assure, l'église a diminué. Beaucoup diminué. Les gens se disaient maintenant, mais comme à Saint-Pierre, on dit Saint-Magicien, il est confirmé magicien. C'est un grand maître. Gloire à Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons commencé en Pisa. Et Dieu nous a fait grâce de venir ici au cataracte. Et il nous a donné cet endroit. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup. Amen. Je voulais dire avant les remerciements. Chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé. Et une épreuve, c'est une souffrance. Une souffrance qui touche même l'âme, qui touche tout dans la personne. Mais derrière cette épreuve, il y a Dieu lui-même. Et une épreuve ou des épreuves, c'est ça l'école de Dieu. Et c'est de cette façon-là que Dieu forme ses serviteurs. Alors, bien-aimé, tout ce que j'ai enduré, c'est ça la formation que Dieu m'a donnée. Alors je suis fier de ce Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Encore et encore. D'éternité en éternité. Est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Si vous l'aimez, lève seulement ta main droite au ciel. Et nous acclamons très fort le Seigneur. Je vous en prie. Je souligne quelque chose. Je ne suis pas un branamiste. Non, frère. Je dois souligner cela. Je suis un chrétien qui croit au message de Jésus-Christ à travers Branham. Branham n'a pas créé un message. Dieu. Le Seigneur Jésus s'est servi tout simplement de Branham. Voilà pourquoi un branhamiste, c'est celui qui croit que Branham est Dieu. Mais Bunkuta Roland, Olivier Paul Naref, Olivier Bonaref, il croit que le Dieu de Branham, c'est Jésus. Amen. Je crois que là aussi, nous pouvons corriger quelque chose. Nous ne sommes pas des branhamistes. Les branhamistes, ce sont ceux qui adorent Branham. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous sommes des chrétiens authentiques. Nous croyons au message. Branham n'a pas créé un message. C'est comme ce que nous disons les actes des apôtres. Non, frère. Ce ne sont pas des actes des apôtres. Mais ce sont des actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Quand on parle, je crois le message, c'est Jésus. Ezali Yesu. Amen. Dans ce temps de la fin, le véritable Jésus nous a été présenté par Branham. Si vous êtes d'accord, vous mettez debout et vous acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole. Nous avons écouté le pasteur. Nous avons le serviteur. Écoutez, je vous en prie.
Je vous en prie. C'est-à-dire quand j'étais là. Non, Seigneur, ça. Non. Que ton nom soit béni. Alors je remercie le Seigneur. Que son nom soit béni. Je remercie profondément le pasteur Francis Itinona. Il a laissé Pointe Noire. Il a tout laissé là-bas pour venir. Merci pour cette reconnaissance. Il m'a reconnu devant Dieu et devant vous que je suis son fils. Alors pour cela, je suis fier de lui. C'est mon père. C'est aussi ton père. Mon père, c'est ton père. Non? Est-ce que vous aimez le pasteur Francis? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez Tinona? Amen. Soutenez-le. Priez pour lui. Au nom de que le pasteur avance avec une forte onction. Que le ciel de temps en temps s'ouvre pour lui. Amen. Amen. Alors que son foyer, son ministère soit davantage béni. Amen. 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 Je remercie profondément les hommes de Dieu qui m'ont honoré. Vraiment, je vous bénis. Que le ciel vous bénisse et que votre ministère soit davantage béni. De l'or et de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je vous le donne. Soyez béni. Si ton ministère était fermé, qu'il s'ouvre à l'instant au nom de Jésus-Christ. Et transmettez aussi mes salutations à l'Église. Amen. Je vous aime. Et jusqu'à la fin de ma vie sur terre. Merci beaucoup. Alléluia. Je remercie. Papa Vincent. Le chef de quartier, il pouvait ou ne pas venir, mais il est venu. Papa Vincent, que Dieu te bénisse. Lève encore ta main, papa. Oh, merci, je vous remercie, merci. Merci, papa, merci. Ça me va droit au cœur. Papa Muyokolo. Papa Muyokolo. Que c'est le chef de zone. Oh, que Dieu bénisse Papa Muyokolo. Encore, merci. Alléluia. Amen. 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 Je remercie les collaborateurs du pasteur Francis. Je ne sais pas. Mais que chacun de vous demande ce qu'il veut au Seigneur. Et que cela vous soit accordé. Au nom de Jésus-Christ. Je remercie le frère Phila. Tu as bien joué. Oh Seigneur. Oh Kolo. Je dirais tout simplement une chose. Sois comblé. Merci beaucoup. Je remercie bien aimé la chorale. Je ne sais pas si la chorale a bien chanté. Hein? Alléluia. Amen. Mes enfants, merci beaucoup. Oh frère Adam. Oh Ndeko Adamo. Je ne sais pas. Vous connaissez le frère Adam? Tu peux te lever, frère. Oh Seigneur, merci. Ça me va droit au cœur. Alléluia. Je remercie chaque frère, chaque sœur qui est ici ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui désire le Saint-Esprit en reçoit. Que tout esprit qui n'honore pas la seigneurie de Jésus-Christ lâche prise ta vie. Au nom de Jésus. Que ton retour à la maison, soit une bénédiction. La Bible dit, soyez la tête et non la queue.
Je souligne cela. Soyez la tête et non la queue. Merci beaucoup. Je bénis et je remercie l'église. Amen, tabernacle. Pour moi, je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque le premier couplet. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort.